can. So I'm muting everyone and also. So. Okay, rápido. Are we ready to start? So, all right. Yeah. Excellent. So let's begin. Good morning, good afternoon, good evening. I hope that wherever you are, que où que vous soyez, vous et vos proches sont en sécurité, en santé. Ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de cette pandémie, nous vous exprimons nos sincères condoléances. Je sais qu'un certain nombre de pays s'ouvre lentement, mais que d'autres sont toujours au cœur de la pandémie, connaissent de nombreux cas et décès, et nous tardent de nous retrouver la vie normale afin de pouvoir se rencontrer en personne, encore une fois. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre hommage à tous ceux que nous avons perdus au cours de la pandémie de la COVID-19. Veuillez respecter un moment de silence. Excellencies, distingués délégués, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter tous la bienvenue à la première journée de la réunion informelle pour la 24e réunion de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. 6 séances de la réunion auront lieu aujourd'hui, demain et vendredi, les 17, 18 et 19 février, ainsi que la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, les 24 et 25 et 26 février. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de séance lundi et mardi prochains, les 22 et 23 février, afin d'éviter tout conflit avec la 5e session de l'Assemblée de l'Environnement des Nations Unies qui se tiendra ces 2 jours-là. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Abdallah Zeidane, qui prendra la parole au nom de la présidence de la COP14. M. Zeidane, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Collègues, mesdames et messieurs, en tant que représentant de la présidence de la Conférence des parties, l'Égypte, c'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion informelle de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Réunion qui se tiendra virtuellement aujourd'hui et au cours des prochaines journées. J'espère que vous êtes tous en santé, en sécurité pendant cette période difficile et j'exprime ma solidarité à tous, où que vous soyez dans le monde. Nous nous réunissons aujourd'hui pour cette réunion informelle en préparation de la 24e réunion du SOPSTA, afin de poursuivre les préparatifs en vue de la réunion officielle du SOPSTA et la 15e conférence des parties. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui
au cours de cette séance qui portera sur des points importants et abordera des sujets concernant la Convention et ses protocoles. L'échange de vues permettra de faciliter un débat efficace plus tard cette année lors de la réunion officielle du SOPSTA 24 et les progrès sur tous les sujets relatifs au SOPSTA nous permettront d'élaborer un cadre pour la biodiversité mondiale pour l'après 2020 ambitieux en prenant en compte les conseils, les avis prodigués lors de la prochaine réunion de l'OEG sur le cadre mondial pour l'après 2020. La 24e réunion du SOPSTA contribuera à éclairer les mécanismes de suivi et d'examen au terme de la Convention qui seront examinés lors de la 3e réunion de l'organe subsidiaire sur l'application grâce aux avis présentés sur le système d'indicateurs et de suivi. Je voudrais remercier ici le président du SOPSTA, tous les membres du bureau du SOPSTA de leur leadership dans la préparation de cette réunion informelle. Nous savons que la 24e réunion du SOPSTA a un ordre du jour ambitieux, mais je suis sûre que sous la compétence, la présidence du président du SOPSTA et du bureau, cette session informelle de l'organe subsidiaire contribuera à faire avancer les travaux de la Convention et de ses protocoles. Distingués délégués, collègues, mesdames et messieurs, vos connaissances, votre expérience dans la mise en œuvre de la Convention dans vos pays respectifs sont précieux et je suis convaincu que ces réunions permettront le partage d'idées sur les différentes questions au fur et à mesure que nous nous approchons de la réunion officielle du SOPSTA et finalement la 15e COP où nous souhaitons adopter un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Je remercie aussi le secrétariat de la CDB de son travail acharné et de toute l'aide offerte aux participants. Je vous souhaite à tous des discussions fructueuses et inspirantes. Merci de votre attention. Merci Abdallah. Merci également à son excellence des efforts inlassables au soutien de notre convention. J'invite maintenant Can you hear me? We can. Mr. Chairman. Yassine Fouad. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers délégués et collègues, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette réunion informelle pour la 24e réunion du SOPSTA. C'est un honneur pour moi de vous accompagner ainsi que le secrétariat au moment de prendre ces mesures importantes qui nous mèneront à la conférence de la biodiversité des Nations Unies, y compris l'adoption d'un cadre mondial pour l'après 2020 plus tard cette année. Honorable Président Ezekio, je souhaite vous remercier sincèrement et par votre entremise, les collègues du bureau, de votre excellent leadership dans la préparation de cette réunion au cours de cette période difficile. Et je souhaite aussi commencer en remerciant le gouvernement du Canada, le pays hôte, d'avoir offert un soutien financier généreux pour permettre la participation de certaines délégations
à ces réunions virtuelles, ainsi que y compris les services de nos interprètes. Merci de notre part à tous, gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 2000 participants qui sont inscrits, représentent 125 pays, de nombreuses organisations qui sont en ligne aujourd'hui. Et j'attends avec impatience votre participation active, car c'est seulement ainsi que nous pourrons avancer dans la réalisation des trois objectifs de la Convention, et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Chers participants, j'espère que vous avez tous eu l'occasion de participer au webinaire d'information que nous avions organisé pour nous préparer tous à cette réunion informelle, et nous y avons présenté beaucoup d'informations sur différents enjeux qui ont une importance économique, sociale, environnementale en ce qui concerne la Convention et ses protocoles, les enjeux qui feront l'objet de la prochaine réunion du SUPSTA. Et cette réunion est donc une occasion importante d'entendre, de vous entendre sur ces sujets. Permettez-moi maintenant de faire ressortir brièvement certains des points importants à l'ordre du jour sur lesquels nous devons nous concentrer. Tout d'abord, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Au titre de ce point, nous souhaitons entendre vos interventions au sujet des objectifs et des cibles et des indicateurs, des bases de référence présentées dans le projet de cadre pour l'après 2020. Vos contributions éclaireront les recommandations qui doivent être élaborées par le SUPSTA 24 en prévision de la troisième réunion du groupe à composition non limitée et la COP 15 plus tard cette année. Et l'examen de ce point comprendra également la cinquième édition des perspectives mondiales de la biodiversité, et je pense que pour la plupart vous connaissez bien ces perspectives. En votre nom également, permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance à nos collègues du PNUE et du WCMC, les membres du partenariat des indicateurs de la biodiversité, de leur appui, de leur contribution à la préparation des documents au titre de ce point de l'ordre du jour. Ensuite, nous aborderons la biologie de synthèse, évaluation des risques, gestion des risques présentés par les organismes vivants modifiés. Les délibérations sur la biologie de synthèse et l'évaluation de risques et gestion des risques présentés par les OVM permettent à la Convention et au protocole de Catharina de travailler en étroite collaboration. Vos contributions au titre de ce point éclaireront l'élaboration des priorités en ce qui concerne les enjeux spécifiques de l'évaluation du risque. Vos contributions éclaireront aussi le débat sur les avantages possibles et les effets néfastes de la biologie de synthèse relativement aux trois objectifs de la Convention, ainsi que l'élaboration d'un programme de travail prospectif. Et au titre de ce point, pour ce qui est de ce point, je remercie sincèrement tous les membres de l'ADEC de ses travaux et de son engagement, contribution qu'elle a faite. Another item will be on marine and coastal biodiversity. In view of... Notre point porte sur la biodiversité marine et côtière. Compte tenu de la diversité, des intérêts et les travaux menés
Sur cette question, les choses ont beaucoup évolué pour aborder un large éventail de questions. Le SOPSTA 24 examinera les approches proposées pour l'avenir de la CBD sur les zones marines écologiquement ou biologiquement importantes et fera en sorte qu'ils puissent mieux intégrer les connaissances croissantes, sur les écosystèmes marins. On se penchera également sur la biodiversité et l'agriculture. Sous ce point, nous aurons l'occasion de souligner le rôle essentiel de la biodiversité des sols, des services écosystémiques qu'ils fournissent. Je remercie nos collègues de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je les remercie de nous avoir fourni la base de nos discussions sur le plan d'action 2020-2030 pour l'initiative internationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols. Un autre point à l'ordre du jour, les espèces exotiques envahissantes. Ce point est crucial et critique, car vous savez peut-être qu'il s'agit d'un moteur direct de la perte de biodiversité. Nos discussions porteront encore une fois sur les conseils supplémentaires formulés par le groupe d'experts techniques ad hoc et fournis par leur rapport qui porte sur la classification, l'étiquetage des organismes dangereux pour l'environnement. Un autre point à l'ordre du jour portera sur le travail de l'IPES. Nous saluons le travail de l'IPES jusqu'en 2030 qui répond à la demande de la 14e réunion de la conférence des parties de la Convention. Les quatre nouveaux résultats attendus, notamment le changement transformateur, les évaluations des entreprises et de la biodiversité, ainsi que le document technique correspond étroitement à la demande des parties. Et au titre de ce point, vous souhaiterez peut-être examiner la demande d'une deuxième évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques et l'alignement de sa portée et de son calendrier sur le cadre mondial pour l'après-2020. Comme toujours, je souhaite vous exprimer ma plus profonde gratitude. Merci aux collègues de l'IPES pour leur soutien et leur coopération continue sur ces enjeux. Avant de conclure, j'aimerais remercier sincèrement mon équipe du secrétariat qui a fait plus que son devoir pendant ces moments difficiles pour soutenir cette réunion et d'autres, y compris le processus mondial de biodiversité post-2020. L'année a été très difficile pour nous tous. L'interprète signale qu'elle a perdu la connexion. Nous avons perdu la dernière partie de l'intervention de la secrétaire exécutive. Je la remercie. Merci, Madame Marouamrema. Merci pour cette déclaration d'ouverture. Je vous félicite, vous et votre équipe, pour tout le travail de préparation de cette réunion. Chers collègues, cette réunion virtuelle informelle qui prépare la réunion officielle de la 24e réunion du SOPSTA contribuera à maintenir l'élan et faire avancer les préparatifs de la 15e réunion de la conférence des parties de la COP. Elle comprendra des interventions sur les documents de pré-session sur les points à l'ordre du jour provisoire. Comme la première lecture lors des réunions physiques formelles du SOPSTA, les participants sont encouragés à axer leur intervention sur les commentaires. Les commentaires
Il ne s'agit pas d'une négociation, il n'y aura pas donc de documents de séance de préparer. Toutefois, on s'attend à ce que, une fois que la réunion formelle sera tenue, cela nous permettra d'augmenter l'efficacité de notre séance. Et toutes les déclarations faites aujourd'hui seront consignées et rendues publiques sur le site de la CBD. Les communications écrites seront disponibles sur le site web de la CBD, à moins que la partie concernée n'en décide autrement. Veuillez noter que vos points clés devraient être lus en salle. Veuillez également consulter la page web de la réunion pour le système de soumission en ligne. Les sessions individuelles sur les points de l'ordre du jour seront présidées soit par moi-même, soit par un de mes collègues du bureau du SOPSTA, comme suit. Point 3, portant sur le cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020, sera présidé par Mme Marina von Weisenberg de la Finlande. Le point 4, sur la biologie synthétique et point 5, sur l'évaluation et la gestion des risques liés aux organismes vivants modifiés, ces deux points seront présidés par M. Gauté von Zansen de la Norvège. Point 6, biodiversité marine et côtière sera présidée par Mme Marimé Mozungael des Seychelles. Le point 7, portant sur la biodiversité et l'agriculture, sera présidé par M. Adams Toussaint de Sainte-Lucie. Point 10, sur les espèces exotiques envahissantes, sera présidé par Mme Elena Brown de Antigua et Barbuda. Et enfin, le point 8, portant sur le programme de travail de l'IBES, sera présidé par moi-même. Alors, avant de débuter nos travaux, j'aimerais inviter le secrétariat à fournir quelques informations sur l'organisation des travaux pour ces sessions. Comme convenu par le bureau du SOPSTA, il y aura également des informations logistiques sur l'utilisation de notre système en ligne qui seront présentées. Secrétariat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un bon moment de la journée. Bonne journée, chers collègues. Donc, comme on vous l'a informé par la note de scénario, cette réunion comprendra des déclarations équivalentes à la première lecture lors de nos réunions en personne. Toutes les déclarations seront enregistrées et les soumissions écrites seront mises en ligne, à moins que le secrétariat n'en soit informé autrement. Le secrétariat de la CBD a élaboré une application en ligne qui permet aux pays et organisations de télécharger leurs déclarations sur la page de la réunion. Il est fortement recommandé aux participants d'utiliser cet outil plutôt que d'envoyer leurs déclarations par courriel, car il permet de rationaliser, simplifier le processus et ça facilite le travail des interprètes. Nous continuerons toutefois de surveiller l'adresse électronique statements@cbd.int. Les instructions ont été incluses dans votre courriel prioritaire avec votre lien dédié qui vous conduira directement à la page de téléchargement. Assurez-vous d'inclure le nom de votre pays, organisation et le point de l'ordre du jour sur la première page du document qui est téléchargé. Toutes les sessions dureront 3 heures par jour et auront lieu de 7h à 10h, heure de Montréal, avec une pause de 15 minutes environ à mi-parcours. Toutes les demandes de parole des groupes régionaux et des partis seront entendues
pour chaque point de l'ordre du jour pendant cette réunion informelle en ligne. Si une partie rencontre des problèmes de connectivité qui l'empêche de faire sa déclaration, ils doivent contacter le secrétariat pour prendre des dispositions. Les déclarations des grands groupes seront également entendues, ainsi que des observateurs supplémentaires, si le temps le permet. Chaque point à l'ordre du jour débutera par des déclarations régionales sur le point à l'ordre, après une brève introduction par le secrétariat. Toutefois, il n'y aura pas de déclaration générale des régions et des groupes pendant les séances d'ouverture et de clôture. Comme d'habitude, les déclarations des partis et des observateurs sur chaque point suivront l'approche précédente. Elles seront limitées à 5 minutes pour ce qui est des régions et des groupes et se limiteront à 3 minutes pour les interventions individuelles. En collaboration avec le président de l'organe subsidiaire, le secrétariat préparera un rapport sur cette session informelle, notant les partis et les observateurs. Il n'y aura pas de document de séance produit suite à cette session informelle. La liste de tous les participants préinscrits est disponible en ligne et vous voyez le lien à l'écran. Veuillez noter que le point 6 sur la biodiversité marine et côtière et le point 7 de l'ordre du jour sur la biodiversité et l'agriculture comportent des présentations introductives qui, pour des raisons de temps, ne seront pas diffusées en direct pendant la session. Elles seront plutôt disponibles sur la page des documents du site web de la réunion, comme indiqué sur l'écran. Les participants sont encouragés à écouter ces présentations avant la discussion du point correspondant à l'ordre du jour. Quelques mots au sujet de l'utilisation du système en ligne. Lorsque le président ouvre la séance, si vous souhaitez prendre la parole, veuillez appuyer sur le bouton « Lever la main » en bas de votre écran. Ça deviendra jaune. Votre demande sera inscrite dans la liste d'attente visible par le président. Lorsque le président vous donnera la parole, le modérateur activera votre microphone. La barre d'état deviendra rouge sur votre ordinateur et vous pourrez commencer à parler immédiatement. Si le président vous donne la parole et vous n'avez pas levé la main, veuillez appuyer sur le bouton « Lever la main » pour que le modérateur puisse vous voir sur la liste et activer votre microphone, ce qui fera passer la barre d'état au rouge et vous permettra de prendre la parole. Nous aimerions également vous rappeler que la boîte de discussion, le chat, est destinée pour des communications brèves. Et donc, il faut que vos remarques soient courtes. Le temps de parole est limité à 3 minutes pour les parties, 5 minutes pour les groupes régionaux. Et une horloge est mise à votre disposition pour vous aider à gérer votre temps. Mais veuillez ne pas accélérer votre lecture, car cela causera des difficultés aux interprètes. Ils auront du mal à vous suivre. Et enfin, veuillez noter que vers la mi-session, le président annoncera une pause de 15 minutes. Il n'est pas nécessaire de se déconnecter pendant ce temps. Je vous remercie. Merci, Sacha. Chers participants, afin d'utiliser efficacement notre temps et permettre d'autres interventions, je voudrais vous suggérer que nous abstenions de faire des déclarations individuelles pour remercier, féliciter la présidence et le secrétariat. Je vous encourage à concentrer vos interventions, vos commentaires sur le projet de recommandation figurant dans les documents pré-session afin de faire avancer nos travaux et nos délibérations. Avant
de vous prier d'intervenir au titre du point 3 de l'ordre du jour de la réunion officielle du SOPSTA 24. Je cède la présidence pour cette séance aux membres du bureau, Madame Marina von Wessenberg de la Finlande. Marina, vous avez la parole. Merci, Ezekio. Bonjour. Bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Je suis très heureuse de présider l'examen de ce point important, le point 3 de l'ordre du jour de la réunion officielle de SOPSTA, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après. Madame la Présidente, bonjour à tous. En réponse à la décision de la COP, mandat, plus précisément, la COP a demandé au SOPSTA d'examiner les renseignements, les résultats des produits de l'épaisse de la 5e édition du GBO, 2e édition des LBO. En outre, la 2e réunion du groupe de travail Composition non limitée a invité le SOPSTA à fournir analyse et orientation sur les objectifs cibles, indicateurs, bases de référence et cadres de suivi pour le cadre pour l'après 2020. Afin de répondre à ces demandes, le secrétariat à préparer les documents au titre de ce point, entre autres le CBD SOPSTA /24/2, 5e édition des perspectives mondiales de biodiversité, résumé à l'intention des décideurs, CBD SOPSTA 24/3, cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, renseignement scientifique et technique pour appuyer l'examen des objectifs cibles, indicateurs et bases de référence révisées. Les deux documents contiennent un projet de recommandation soumis à l'examen du SOPSTA 24. En outre, via le document CBD SOPSTA 24.3, ces deux addendums, le document CBD SOPSTA 24.3 ad 1, les indicateurs proposés, l'approche de suivi proposée pour le cadre pour l'après 2020, où l'on trouve les critères, les approches pour le cadre de suivi du cadre pour l'après 2020 et une série d'indicateurs principaux complémentaires. Notez que la révision technique à ce document sera publiée avant le SOPSTA 24 afin de corriger la numérotation des indicateurs en annexe. Ensuite, il y a le document SOPSTA 24.3 ad 2, informations scientifiques et techniques à l'appui de l'examen des objectifs et cibles proposées dans l'avant-projet révisé du cadre pour l'après 2020, informations pour éclairer l'examen technique et scientifique par le SOPSTA des objectifs cibles de l'avant-projet révisé de ce cadre. Notez que le document fera l'objet d'un examen technique bientôt, comme il sera mentionné dans la prochaine notification. Il y a aussi un certain nombre de documents d'information concernant ce point, l'ordre de deux jours, il y a le SOPSTA 24.1.12, information sur les liens entre le cadre mondial pour l'après 2020 et l'agenda à l'horizon 2030 du développement durable. Ce document a été préparé en réponse à une demande de la 2e réunion du groupe de travail Composition non limitée, une version précédente a été rendue disponible pour examen par les pairs. Il y a aussi le document F16 qui présente de l'information détaillée sur les indicateurs proposés pour le cadre mondial pour l'après 2020. Ça a été préparé en collaboration avec PNUEP WCMC et le partenariat
pour les indicateurs en biodiversité. SOPSTA 24 sera invité à examiner les documents préparés au titre de ce point, présenter une recommandation au sujet du GBO 5, des indicateurs de l'approche de suivi proposée pour le cadre mondial pour l'après 2020 et les éléments scientifiques et techniques des objectifs et cibles proposés dans l'avant-projet du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Merci. À vous la parole. Merci. Vous avez terminé, Jillian? Oui. Merci. Très bien. Merci au secrétariat. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos interprètes pour le travail qu'ils réaliseront au cours de cette réunion et pour que nous nous comprenions les uns les autres. Donc, pour les aider dans leur travail important, je vous prierai de vous limiter au temps qui vous est imparti pour vos interventions. Parler lentement et clairement. Il y a déjà 56 interventions téléchargées sur le site et il faut donc tous collaborer à cet égard. Je vous invite vivement à faire vos interventions. Nous commencerons par les groupes régionaux, ensuite les partis, non-partis et observateurs. Donc, je donne tout d'abord la parole aux groupes régionaux. Je voudrais vous rappeler que vous souhaitez prendre la parole, vous devez demander la parole. Si une partie a des problèmes de connectivité qui l'empêche d'intervenir, elle devrait communiquer avec le secrétariat pour régler le problème. Je vous encourage à restreindre vos interventions aux aspects scientifiques et techniques des documents, être concis, vous concentrer sur les points essentiels. Je limiterai les interventions à 3 minutes pour ce qui est des interventions individuelles, 5 minutes pour les interventions au nom de région ou de groupe. Si votre intervention n'a pas été fournie avant la réunion, veuillez télécharger le texte. Mais nous vous prions de faire ressortir les points saillants dans la salle. Donc, tout d'abord, l'intervention du groupe africain. Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Et tout d'abord, donc, la région africaine, s'il vous plaît, levez la main. Le problème, c'est que je ne vois pas l'Éthiopie à l'écran. Vous avez la parole, Éthiopie. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Oui, vous pouvez procéder. Le moment est crucial. Il y a beaucoup à faire pour inverser la tendance. Et il y a partout des problèmes à l'égard de la biodiversité et de l'environnement, comme on a dit. L'activité humaine cause une extinction de masse sur la planète et
C'est pour cela qu'on leur doit se préoccuper de la biodiversité. Madame la Présidente, nous attendons avec beaucoup d'intérêt la réunion, 24 réunions du SOPSTA et d'autres réunions afin de s'entendre sur ces questions cruciales, notamment le cadre pour l'après 2020. Et nous travaillons dans le même esprit afin d'assurer la coexistence entre toutes les espèces et la vie en harmonie avec la nature. L'Éthiopie est un pays enclavé qui est grandement préoccupé de ses écosystèmes, surtout les océans et les bactéries qui s'y retrouvent. La perte d'oxygène, le réchauffement des océans, entraîne la destruction d'écosystèmes marins, l'extinction de formes de vie qui dépendent de l'oxygène. Et à cet égard, il importe de travailler à l'adoption d'un cadre mondial pour l'après 2020, réalisé en tenant compte des indicateurs qui ont été élaborés. Et l'objectif est de vivre en harmonie avec la nature et nous y parviendrons en prenant en compte les connaissances des populations locales et des peuples autochtones. Madame la Présidente, afin de parvenir à des décisions efficaces lors de la COP15, il faut aujourd'hui contribuer, mais être aussi à l'écoute des avis des uns et des autres et parvenir à un accord véridique afin de travailler ensemble pour appuyer l'adoption des indicateurs du cadre pour l'après 2020 et nous devons aussi appuyer l'idée de travailler en harmonie avec la nature. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci Éthiopie, au nom de la région de l'Afrique, maintenant la région des PECO, la Bosnie-Herzégovine. Veuillez, s'il vous plaît, appuyer sur la main levée. Merci, j'espère que vous m'entendez. La Bosnie-Herzégovine prend la parole au nom de la région des PECO. La région souhaite remercier le secrétariat et autres qui ont contribué à la préparation des documents au titre de ce point. Avant de présenter nos vues, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au processus pour le cadre de l'après 2020. Et nous nous félicitons des efforts visant à mettre en place un cadre de suivi transparent et solide. À l'égard de la structure de ce cadre, nous constatons que presque la moitié des indicateurs phares qui ont proposé sont en cours d'élaboration. Cela démontre qu'il faut pleinement discuter des éléments du cadre, se concentrer sur les indicateurs disponibles. À notre avis, il faudrait restreindre le nombre d'indicateurs et mieux les utiliser. Par exemple, l'indicateur ODD 15.3.1 a obtenu une des cotes les plus élevées pour ce qui est de la pertinence, mais on le propose uniquement pour la cible 9 et nous pensons que cet indicateur des ODD devrait être utilisé pour vérifier, pour voir quels sont les progrès du point de vue de la restauration. En outre, les progrès vers l'objectif B devrait être suivi par le biais de tous les indicateurs et à cet égard, nous proposons que l'indicateur 7.0.1 soit utilisé pour l'objectif B. La région souhaite souligner l'importance d'utiliser des indicateurs qui permettront de vérifier les résultats des stratégies régionales. Par exemple,
l'agenda vert pour l'Europe du Sud-Est avec le Conseil de coopération régionale, la Commission européenne, doit déboucher sur une stratégie de la biodiversité alignée sur le GBF pour l'après 2020. Il faut tenter d'inverser la dégradation. And green economy. Regarding the criteria for selection, we believe des critères de sélection, nous pensons que le cadre de suivi devrait être applicable à tous. Nous soutenons la sélection d'indicateurs qui peuvent être désagrégés au fin national. De plus, nous soutenons fortement les critères de compréhension, de présentation et d'interprétation facile, permettant une communication claire. En ce qui concerne les indicateurs, nous aimerions souligner le travail de l'initiative spéciale dans notre région. Cette initiative avec le PNUE, en partenariat avec le PNUD et l'UNESCO, avec le soutien financier de l'initiative IKI du ministère allemand de l'Environnement, de la conservation, soutient déjà deux pays de la région, la Bosnie et l'Azerbaïdjan. Nous soulignons le rôle des évaluations nationales dans la production de nouvelles connaissances, recherches et menant à des décisions mieux informées. Nous suggérons l'introduction d'un indicateur pertinent pour la CIS-19 qui permettrait d'utiliser des connaissances élargies. Le groupe technique expert peut jouer un rôle crucial dans les activités de la Convention pour le cadre de surveillance. Toutefois, une des premières tâches du groupe devrait être une évaluation rapide des capacités. Le groupe devrait avoir la possibilité et l'obligation de communiquer directement avec les parties de la CBD en fournissant des conseils pour les indicateurs. Pour ce qui est du modus operandi, il n'est pas clair pour quelle période les experts et les coprésidents de ce groupe technique sont élus. Pour ce qui est des recommandations, nous aimerions souligner qu'à la COP15, il y a une courte période de 8 ans jusqu'en 2030 qui comprend également un temps pour obtenir un soutien pour les activités nationales. Dans ces circonstances, nous pensons que l'introduction d'un cadre de suivi sans son rôle bien établi dans la planification pourrait déplacer l'accent des priorités nationales vers le seul développement des capacités de compte-rendu. La région, notre région souligne l'importance donc d'une transition judicieuse et sans discontinuité vers la mise en œuvre complète du cadre de surveillance. Merci. Merci à la Bosnie-Herzégovine. Je vous demande pardon. Comme vous voyez, les présidents font parfois des erreurs. Je donnerai maintenant la parole à l'Afrique du Sud. J'ai fait une erreur. L'Afrique du Sud, vous avez maintenant la parole au nom de la région africaine. Et je suis désolée d'avoir fait cette erreur. Merci, Madame la Présidente. J'espère que vous pouvez m'entendre. Nous faisons cette déclaration au nom du groupe africain. Cette déclaration est faite dans le cadre du dans le contexte du cadre pour l'après 2020, nous reconnaissons les recommandations contenues dans le document SOPSTA 24 INF 20 et nous reconnaissons les documents qui présentent des points sur les différents indicateurs pour appuyer le cadre de surveillance et de suivi pour le cadre pour la biodiversité pour l'après 2020. Nous notons que certaines de ces considérations présentées incluent des
cibles intelligentes, la capacité et les systèmes pour élaborer des indicateurs, les points relatifs aux agrégations de données, la désagrégation des données, l'usage d'indicateurs principaux et l'amélioration des synergies en matière d'utilisation des données et des processus intergouvernementaux. Monsieur le Président, je me rappelle nos délibérations lors de la deuxième réunion du groupe à composition non limitée en 2020. Les parties ont noté l'importance d'inclure des cibles et des objectifs intelligents. Toutefois, la disponibilité des indicateurs et des données et des différentes composantes sont difficiles à mesurer et présentent des défis lorsqu'il s'agit de suivre et de surveiller l'efficacité du cadre dans la mise en œuvre de la vision de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Nous reconnaissons également que certains des failles identifiées dans le document CBD 24 INF 16, paragraphe 3.4, sont liés aux défis auxquels font face l'Afrique, tel qu'énoncé dans un document, et il faudrait faire davantage pour combler ces lacunes. De plus, le groupe africain note que l'élaboration d'indicateurs ainsi que des données de référence pour les cibles temporelles nécessite du financement pour appuyer ces travaux, pour appuyer l'analyse, la communication des résultats. Depuis, des ressources sont cruciales, essentielles pour réaliser les changements transformateurs souhaités. À cette fin, des exemples peuvent être tirés des indicateurs de la stratégie 2011-2020 ainsi que des objectifs de développement durable. Les indicateurs nationaux sont utilisés dans le cadre des cibles. La plupart des pays n'ont pas assez de données sur le statut de la biodiversité pour élaborer des indicateurs de biodiversité. Les pays qui ont utilisé et dérivé des indicateurs nationaux plutôt que des indicateurs internationaux, ce qui suggère cette élaboration sera clé. Considérons qu'il faut parler d'indicateurs globaux et que cela va les mettre au-dessus des autres indicateurs que les parties voudront sans doute continuer d'utiliser. Pour ce qui est des références et des dates, l'Afrique souhaite proposer des cibles qui appuient les efforts de restauration, le partage des avantages et l'utilisation durable. Cela doit être considéré. Nous étudions les options pour ce qui est des indicateurs de référence, mais nos options seront éclairées par nos circonstances actuelles et fondées sur nos aspirations dans le contexte au cadre. Nous savons que le cadre de suivi devrait prévoir un cadre d'évaluation, de suivi pour ce qui est suivi des objectifs et des objectifs du cadre mondial. In the near real time, as much as possible, will be crucial to help parties understand in gaps in their efforts to implement the framework. However, this may require additional efforts, resources, and capacity. This will enable parties to proactively prioritize action and promote adaptive management to accelerate the progress in a transparent and accountable manner. Africa agrees that national reporting should remain the main instrument for monitoring and reporting under the convention. Therefore, Africa would like to stress the importance of national reports, the need to build flexibility to take account of national circumstances, and a clear desire to avoid overly cumbersome implementation, monitoring, reporting, and review processes that contribute to a global stocktake, so as to provide a national accountability to drive improvements in performance and to identify capacity gaps.
This process will add value to reviewing the global stocktake of the implementation of the convention and its strategic plan, thus supporting the planning and decision-making processes, which include means of implementation to support reporting and address capacity required for this purpose. Africa supports the notion that national and NBSAPs should continue to be the main national planning instrument under the post-2020 global framework. However, current NBSAPs voluntary review system should be standardized to enable review of NBSAPs, including the estimation of a potential global ambition gap, but also the need to keep some flexibility to reflect national circumstances as expressed in Article 6 of the convention. We thank you very much, Madam Chair. Thanks. We lost Marina from the connection. Nous avons perdu Marina. Monsieur le secrétariat, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, pendant qu'on entend, on attend Marina, je vais maintenant donner la parole à Antigua Barbuda qui parlera au nom du Groulac. Antigua, vous avez la parole. Merci. Madame la Présidente, au nom des pays du Groulac, je saisis cette occasion pour vous remercier d'avoir organisé cette réunion virtuelle dans le contexte d'incertitude actuelle, dans le contexte de la pandémie. Nous exprimons la nécessité de profiter de cette occasion, mais nous comprenons également les différents points de vue sur les documents en discussion s'agissant du nouveau cadre pour la biodiversité pour l'après 2020, ainsi que sur d'autres points de l'ordre du jour pour la 24e session du SOPSTA. Nous considérons qu'il est nécessaire d'équilibrer et renforcer la structure du cadre mondial pour l'après 2020 en tenant compte des nouvelles circonstances et défis posés par la pandémie. Ce cadre devrait être simple, réaliste, réalisable, tenant compte les particularités et différences de capacité entre les pays développés et en développement. Nous devons construire un cadre conforme aux trois objectifs de la Convention, garantissant la conservation, l'utilisation durable de la biodiversité et de ses services écosystémiques, ainsi qu'un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, en tenant compte des dernières découvertes scientifiques au sujet des facteurs négatifs sur la biodiversité et ses services. En ce qui a trait au cadre et de suivi et des indicateurs qu'on retrouve dans le document SOPSTA 24.3, nous avons certaines inquiétudes quant à sa complexité. Bon nombre de pays ne pourront pas mesurer les indicateurs proposés. Il faut noter que nous, en considérant qu'il est nécessaire de discuter de ces indicateurs, ce forum devrait suivre des bonnes pratiques scientifiques et devrait s'abstenir de faire des recommandations tant que nous n'aurons pas une idée claire des buts et objectifs finaux du cadre mondial. Le Groulac souhaite souligner l'importance du mécanisme de renforcement des capacités, la nécessité d'avoir des ressources financières prévisibles, des moyens de mise en œuvre pour les pays, par les pays développés et conformément aux principes de la Déclaration de Rio sur le développement adopté en 92 et à l'article 20 de la Convention, ainsi que d'autres donateurs et sources non étatiques. Cela est nécessaire pour renforcer les systèmes et les institutions de surveillance nationaux en vue de la mise en œuvre du cadre mondial. Notre région souhaite soutenir activement les travaux du SOPSTA qui a déjà beaucoup réalisé et cela nous permettra de joindre nos efforts pour la mise en œuvre effective de la Convention. Je vous remercie. Nous souhaitons beaucoup de succès pour
cette première session informelle pour des organes subsidiaires. Merci à Antigua et Barbuda au nom du GRULAC. Je vais donc présider le reste pendant que la présidente se reconnecte maintenant. Je vais donner la parole à l'Australie. Vous avez la parole, l'Australie. Microphone to Australia, please. Pour l'Australie, s'il vous plaît. Australie, votre micro est activé. Vous pouvez intervenir. L'Australie souhaite faire une courte déclaration au nom du Australie, Canada, Islande, Israël, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suisse, les membres du JOSCANT. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au socket exécutif et ses collaborateurs des travaux sur le projet de cadre et les félicite des progrès réalisés depuis l'année dernière. Le JOSCANT reconnaît que toutes les parties doivent contribuer à la présentation de rapports au sujet de leur plan, du plan stratégique et des objectifs d'Aichi et reconnaissent qu'un cadre de suivi robuste, basé sur la science, permettra d'accroître les capacités de rapportage des parties et sera aligné aux capacités et structures qui existent. Et cela est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre efficace du nouveau cadre mondial pour l'après 2020 et faire le suivi de la réalisation des objectifs. Nous passons l'approche proposée est une bonne base pour ce qui est des indicateurs, mais nous soulignons qu'il faut affiner, poursuivre les travaux sur le cadre et il faut accorder une certaine souplesse, tenir compte des différences dans les circonstances nationales et la disponibilité de données. L'utilisation des indicateurs principaux permettra d'accroître l'uniformité, la comparabilité et permettra d'avoir un portrait clair des progrès vers les objectifs et cibles. Nous reconnaissons que bon nombre des indicateurs proposés ne sont pas encore reliés à un objectif ou à une cible précise. Il y a des lacunes aussi qui existent toujours, mais nous avons confiance que grâce à un dialogue ouvert, constructif, bon nombre des questions en suspens seront résolues et que l'on pourra poursuivre l'élaboration du cadre. Nous tarde d'assister à la réunion officielle du SUBSTA où l'on pourra discuter plus en détail du projet de cadre et les préparatifs de continuer parallèlement le travail sur le cadre de suivi et nous félicitons de la demande qui est faite de prendre en compte les commentaires faits au cours de la réunion du SUBSTA et que ce soit présenté pour examen à la troisième réunion du groupe de travail. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Australie, au nom du groupe JOSCANT. Et maintenant, nous avons donc terminé les
les interventions des groupes régionaux. Maintenant, j'ouvre la parole. Je donne la parole aux partis. Je vais donc donner la parole à l'Italie, ensuite le Portugal et le Canada. Italie, vous avez la parole. Microphone à l'Italie, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Merci. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Délégué observateur participant, tout d'abord, l'Italie remercie le secrétariat de ses efforts dans l'organisation de cette réunion informelle en prévision du SOPSTA 24 et de la documentation. L'Italie souligne le rôle clé de l'identification d'objectifs cibles et indicateurs afin d'assurer qu'un changement transformateur s'inscrit dans le GBF et à cet égard, l'Italie estime qu'un tel changement peut être réalisé en augmentant le niveau d'ambition des objectifs et des cibles, qu'ils soient plus ambitieux. De plus, l'Italie est convaincue que l'intégration de ces objectifs et cibles doivent se rapporter aux vecteurs directs et indirects de la détérioration de la nature. L'Italie propose donc que les mesures suivantes soient prises. Identifier les éléments essentiels à un changement transformateur en cohérence avec d'autres accords multilatéraux et les contextes de développement durable en évitant chevauchement ou conflit. Rehausser le profil des solutions basées sur la nature grâce à l'identification de cibles d'indicateurs quantitatifs, ce qui permettra de contribuer à la cohérence avec d'autres agendas comme les changements climatiques, la réduction des risques et autres. Il faut aussi prendre en compte la dimension de la diversité génétique dans toutes les espèces et à cet égard, les objectifs et cibles reliés à la diversité génétique devrait être ambitieux et mesurable. C'est crucial pour que la biodiversité soit prise en compte dans tous les secteurs, comme l'agriculture. Il faut aussi établir des objectifs et des cibles qui prennent en compte les enjeux sociaux et permettre d'atteindre la vision 2030. Il faut aussi inclure des cibles qui reflètent les avantages multiples de la biodiversité tout en assurant que les avantages sont partagés de façon égale et s'assurer que le cadre mondial repose sur une approche vraiment globale et l'Italie appuie la création de groupes d'experts techniques afin qui prodiguent des conseils à l'égard du cadre de suivi et poursuivent la réflexion. Et l'Italie se réserve le droit d'adapter ses observations à sa propre situation. Merci beaucoup. Portugal et ensuite Canada. Merci, Monsieur le Président, chers délégués. Le Portugal appuie un cadre solide. C'est un outil fondamental pour permettre un état des lieux et un mécanisme de suivi qui contribue à une mise en œuvre efficace des cibles et permettre une communication efficace du cadre pour l'après 2020. Par conséquent,
Ce cadre de suivi fait partie intégrante du cadre pour l'après 2020 et devrait être adopté en même temps à la COP15. Nous appuyons la structure proposée d'un cadre de suivi qui vise à assurer une base commune pour le suivi et le rapportage à l'égard du GBF, tout en fournissant des indicateurs complémentaires qui permettent différents niveaux de suivi et de rapportage sur les progrès réalisés vers les objectifs et les cibles par les parties et autres parties prenantes. Le Portugal estime que les 48 indicateurs principaux sont un point de départ utile. Toutefois, nous pensons qu'une liste restreinte permettrait l'agrégation de données nationales et assurerait la reddition de comptes. Cela faciliterait aussi l'engagement des autorités politiques. Et certains ne sont pas pleinement élaborés ou opérationnels. Le Portugal souhaite promouvoir un débat approfondi sur ce cadre de suivi en se reposant sur les avis scientifiques et techniques. Portugal estime. Nous considérons que les indicateurs du cadre de suivi devraient être alignés de mesure, dans la mesure du possible sur ceux déjà utilisés par d'autres accords. Il faut mettre l'accent sur les synergies. Nous soutenons la nécessité de maintenir le cadre de surveillance à l'étude et de permettre l'intégration de meilleurs indicateurs. Et nous soutenons donc la création d'un groupe d'experts. Toutefois, nous pensons que le mandat doit être ajusté, notamment en ce qui concerne son mandat et la relation avec les organisations existantes. Nous sommes d'avis que des niveaux d'ambition très élevés seront nécessaires si nous voulons atteindre la vision et les objectifs de 2050 définis dans le cadre global mondial. Cela impliquera une formulation précise des buts et des objectifs, la fixation d'un niveau nécessaire d'éléments numériques fondés sur la science. En outre, un engagement politique plus élevé nécessaire des moyens de mise en œuvre doit être assuré également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois que Marina est de retour. Vous avez la parole. Je pense que vous êtes en sourdine, Marina. Vous m'entendez? Désolée. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. Désolée. Donc, je donne la parole maintenant au Canada. Le Canada reconnaît les travaux qui ont été réalisés pour élaborer les documents au titre du point 3, mais nous allons faire des propositions de changement par écrit. Ce qui est crucial, c'est que le cadre de suivi soit élaboré à temps pour être adopté à la COP 15, y compris tout du moins les indicateurs phares, 20 ou moins par exemple, et aussi des indicateurs complémentaires. Le Canada peut proposer, accepter que le groupe de travail se concentre sur l'opérationnalisation des indicateurs, l'analyse des écarts, mais il faut poursuivre le travail sur les indicateurs avant la réunion officielle du SOPSTA, ainsi que la troisième réunion du groupe de travail, la COP 15, pourrait y avoir un travail informel du secrétariat des parties, de différentes parties prenantes et examen des documents au titre du point 3 avant la réunion officielle. Les indicateurs, les objectifs, les cibles devront continuer d'être débattus lors de la troisième réunion du groupe de travail. Le Canada demande
que la le SOBSTA fournisse des avis au co-président du groupe de travail sur le projet du cadre de suivi plutôt que directement à la COP. Ainsi, tous les éléments du cadre pourront être examinés ensemble. Le Canada appuie les critères présentés, par exemple, des indicateurs examinés par les pairs, et nous convenons du système d'indicateurs phares et d'indicateurs complémentaires, mais nous avons beaucoup d'observations à ce sujet. Le Canada estime qu'il devrait y avoir des indicateurs relatifs aux peuples autochtones, au genre, et il faudrait un cadre supplémentaire qui concerne les facteurs directs de perte de biodiversité, par exemple objectif de conservation de 30% pour les zones marines et côtières. Et il faut travailler à la coalition de haut niveau sur les indicateurs. Pour ce qui est de la base de référence de 2020, nous pensons qu'il faut poursuivre l'analyse. Le Canada était déçu de n'avoir pas pu présenter de commentaires sur le document A2. Il était trop tard, très déçu de ne pas voir, comme le Canada et d'autres l'ont demandé à plusieurs reprises, voir tous les renseignements sur les indicateurs proposés en un seul document pour avoir une comparaison entre les objectifs et les critères. Finalement, le Canada reconnaît le travail important du secrétariat pour ce qui est du GBO5. Nous avons aussi proposé des changements du point de vue rédactionnel. Merci. Merci, Canada. Maintenant, la Colombie et après, la Fédération de Russie. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici et j'espère que cette séance sera utile en préparation de la réunion du SOBSTA. Et la Colombie demeure engagée envers ce processus de négociation et nous avons accueilli une réunion à Cali pour finaliser les négociations. En ce qui concerne with less indicator and should be structured around headline. Être structuré selon des pour féliciter les progrès. L'approche proposée n'est pas claire pour ce qui est du degré d'obligation quant aux trois groupes. Seulement, on nous dit que les indicateurs principaux seraient obligatoires pour tous les partis au titre des rapports nationaux. Cependant, cela ne serait peut-être pas reflété. Nous considérons que la pertinence de ces indicateurs devrait être établie selon leur capacité à établir l'impact souhaité. En outre, le présent cadre pour imposer aux parties des charges supplémentaires un critère supplémentaire pour la sélection des indicateurs globaux pourrait être en leur capacité à mesurer certains indicateurs ne sont pas appariés aux indicateurs et ne nous permettent pas d'évaluer et de mesurer la réalisation des indicateurs et des cible d'AGI, nous devons clarifier les liens entre les actions à développer dans le cadre des objectifs. En outre, il faut explorer les synergies entre les indicateurs proposés et d'autres processus connexes.
Nous sommes préoccupés par les indicateurs principaux que certaines parties ne seront pas en mesure de mesurer. Des mécanismes clairs doivent être établis pour appuyer les parties. Nous considérons que l'objectif 19 devrait augmenter les informations requises afin que les parties puissent se rendre compte des indicateurs établis au niveau de l'objectif et qui font référence à l'état de la biodiversité. Je vous remercie. Merci à la Colombie. Je donne la parole à la Fédération de Russie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous saluons le travail de préparation dans le contexte du cadre mondial pour la biodiversité, dans le cadre de la pandémie. Compte tenu du temps limité dont elle dispose, la Russie n'abordera que les positions les plus importantes. Nous souhaitons préciser que lors du calcul et du suivi de la mise en œuvre des nouveaux objectifs, leurs niveaux doivent être scientifiquement justifiés. Les indicateurs doivent être conformes au mandat de la Convention et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et aux trois dimensions économique et environnementale sociale. La formulation de l'objectif A devrait indiquer clairement la nécessité d'augmenter les zones ayant un statut de zone naturelle protégée, et car ce sont elles qui assurent le plus efficacement la conservation. La référence actuelle quant à l'augmentation de la superficie, de la connectivité et de l'intégrité des écosystèmes n'est pas tout à fait spécifique. Une forme progressive de conservation de la biodiversité devrait être introduite. L'indicateur 10.02, nous suggérons que les indicateurs soient désagrégés pour l'indicateur 10.03, population vivant dans des zones protégées des catastrophes par des services écosystémiques. Nous voudrions également souligner l'importance de porter une plus grande attention sur l'accessibilité à l'information. Nous considérons que nous ne savons encore pas tout sur la biodiversité de la planète. Malheureusement, c'est le cas. Il y a de nombreuses espèces qui ne sont toujours pas décrites. La formulation de la tâche souligne à juste titre la nécessité de prendre compte les connaissances traditionnelles, mais elle ne remplace pas non plus l'information scientifique. La source la plus importante de données primaires sur la biodiversité sont les collections scientifiques dont le maintien et le développement devraient être mentionnés dans le programme. Les indicateurs de la cible 19 devraient inclure le nombre de guides scientifiques fiables sur la biodiversité des groupes d'organismes individuels à l'échelle mondiale ainsi que pour les grandes régions. Nous proposons que l'objectif 13 ne tienne pas seulement compte de la nécessité d'intégrer les valeurs de la biodiversité dans les politiques, les règlements, etc., mais souligne également que ce processus devrait être fondé sur des informations fiables, scientifiquement probantes. La Fédération de Russie possède un potentiel scientifique important de recherche notamment, et nous sommes prêts à partager activement ce que nous savons, ce que nous détenons pour la mise en œuvre des objectifs du programme mondial. Merci de votre attention. Merci à la Russie, l'Union européenne, suivie du Mexique. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. D'abord, nous saluons le GBO 5 et nous souhaitons ajouter une recommandation. Nous avons fait une énoncé. Nous appelons un renforcement du cadre de
du cadre suivi qui générerait un engagement politique, notamment. Cela nous aiderait à suivre les progrès en matière de contribution, contribuer aux efforts collectifs et nous permettrait de renforcer la responsabilité, de rendre compte dans le cadre cadre mondial pour l'après 2020. Celui-ci devrait être adopté à la COP15. Nous appuyons la structure du cadre de suivi qui prévoit des indicateurs principaux ainsi que des indicateurs complémentaires et des éléments. Nous considérons que la liste de 48 indicateurs principaux devrait être écourtée. On devrait se concentrer sur les indicateurs qui sont disponibles pour tous, qui peuvent être donc ajoutés et communiqués facilement à l'échelle mondiale. L'expérience de l'atelier à l'échelle qui a eu lieu le 14 janvier 2021 nous a montré que nous aurons besoin de discuter davantage, besoin davantage de temps. Les experts européens ont eu 5 heures de discussion sur ces indicateurs principaux et ils n'ont rien conclu. La présentation online par le secrétariat sur le cadre de suivi du 26 janvier n'a pas clarifié les objectifs, les usagers et et la nature des indicateurs. Cela est crucial. Le fait également que des documents de référence comme le AD2 étaient manquants jusqu'à tout récemment, ça n'a pas aidé. L'Union européenne propose de poursuivre nos discussions informelles suite à notre réunion informelle. On devra évaluer les indicateurs. Nous appuyons l'établissement d'un groupe d'experts qui devrait entamer son travail tout de suite après la COP15. Donc, après l'adoption des objectifs et cibles, nous croyons que le mandat est correct, mais il doit être peaufiné. Certains éléments doivent être clarifiés. Nous n'avons pas de position sur la liste mise à jour. Nous appuyons les amendements au projet de recommandation tel que suggéré dans le rapport Vilm et nous allons soumettre notre rapport, notre déclaration, dis-je, sur le site web de la CBD. Merci. Nous avons le Mexique. Après le Mexique, nous aurons une pause de 15 minutes. Et après, nous entendrons la Jordanie et la Norvège. Le Mexique, vous avez la parole. Gracias, señora presidente. Merci, Monsieur le Président. Le Mexique souhaite faire ressortir les 5 points suivants. Nous soulevons encore une fois la nécessité urgente de disposer d'un cadre mondial simple, clair, pertinent, où les objectifs sont alignés sur les objectifs et cibles et les indicateurs. Nous proposons aussi que les jalons soient supprimés et revus, étant donné qu'ils rendent plus difficile la compréhension du cadre et dans la pratique, ils se rapportent à d'autres objectifs. Nous estimons que certains éléments présentent des disparités et il existe des objectifs ambitieux qui présente des éléments relatifs à une espèce, un écosystème, service, alors qu'il faut un objectif plus global qui porte aussi sur la distribution juste et équitable des ressources génétiques. De plus, certains objectifs sont centrés sur la fourniture d'avantages pour un certain nombre de personnes seulement, alors qu'il faut assurer la conservation, l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques pour tous. Troisièmement, pour ce qui est du cadre de suivi proposé, il y a au total 41 indicateurs phares pour lesquels il faut encore élaborer 18, en particulier les objectifs B et D, ainsi que 6 des 20 cibles, eh bien, les indicateurs n'ont pas encore été élaborés. Cela pourrait poser problème puisqu'ils devront être élaborés par le groupe d'experts sur les indicateurs et le cadre pour l'après 2020
continuera d'être ouvert à la négociation, sera difficile d'exercer le suivi. Nous estimons que les indicateurs doivent être suffisamment souples et faciles à compiler afin de les adapter aux réalités nationales, mais il faut qu'ils soient suffisamment spécifiques pour assurer la comparabilité avec les résultats, permettre des mesures à l'échelle mondiale, comme pour le Mexique serait difficile, selon l'élaboration actuelle, mettre en place des indicateurs en fonction des indicateurs principaux. Pour ce qui est de la 2, le Mexique appuie la proposition d'actualisation de la stratégie mondiale pour la conservation des plantes pour l'après 2020, mais soulignons l'importance de poursuivre l'initiative en tant qu'élément du cadre mondial pour l'après 2020. Finalement, le Mexique estime qu'il faut accroître la coopération, les ressources internationales visant le suivi de la biodiversité afin d'assurer des processus réellement participatifs et accroître les capacité nationale pour permettre la compilation de toutes les données nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mexico. And after this, now we will have a 15 minutes. Nous aurons une pause de 15 minutes et nous allons reprendre nos travaux dans 15 minutes, 8h45 heure de Montréal. Veuillez ne pas vous déconnecter pendant la pause et nous allons poursuivre la liste d'interventions 25 pays après la pause de 15 minutes et s'il vous plaît, je vous prierai de vous en tenir à 3 minutes autant que possible pour que tous puissent s'exprimer. Donc, nous passons à la pause, nous nous revoyons dans 15 minutes et ne touchez pas à votre connexion. Merci beaucoup.
So, Polias, I'm here. It's Michelle. I'm quite discouraged. I hope you can hear me now. Maybe I'll move the boom a bit, and then you can tell me where it is the best. I don't know. How is it now? Do you hear me? What issue exactly? Okay, I'll move the boom a bit higher, like this. Is it better? Vibrating? How is that? Okay, now? I mean, I'm not moving. It's worse? It's even worse now? And this way, it's worse? What can I do? Is it still bad? Is it still very bad? Okay. When I select... Yes, I did. Select the right one. I do the same as I always do. I don't understand. No, it's not on default. It's on Logitech. Well, I can... Now it is directly in front of me, and you say it's bad. Okay, now it's better? Is that the best position for the mic? Is it loud enough? And here? Here? Okay. Maybe it has to be lower than my mouth? Here? Is it the same? Is it just as bad? Yes, I know. Okay. This way. This way. How is it? I'm moving it just a bit. This is good? Okay. It's further from my mouth. Okay? So now I just can't move at all. Okay. If it goes back to being bad, tell me, please. Thank you. It's not a good idea. Thank you.
Ladies and gentlemen, we will continue in a few minutes, 2 minutes. Mesdames et messieurs, nous allons reprendre dans 2 minutes. Donc, nous reprenons bientôt. Tout d'abord, je donne la parole au secrétariat. Yes, welcome back, Chair and the Secretariat. And je souhaite la bienvenue de nouveau, Président, Secrétariat, chers collègues. Nous allons poursuivre nos délibérations, mais tout d'abord, je donne la parole au Secrétariat pour quelques petites annonces de nature technique. Merci, Marina. Bon retour, chers participants. Et nous voudrions vous rappeler simplement que vous pouvez faire choisir la façon de voir l'écran. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est d'utiliser la vue avec une étoile à gauche, l'icône à gauche de l'écran, au bas de l'écran. Et vous pouvez déplacer le curseur là-dessus. Et ainsi, vous verrez toujours la personne qui parle. Et donc, s'il vous plaît, veuillez utiliser l'icône à gauche, l'icône où il y a une étoile. Vous voyez une épingle, mais il y a aussi l'étoile tout à fait à gauche. Donc, nous recommandons l'étoile. Merci. Merci, secrétariat. Nous pouvons poursuivre. Et comme nous l'avons dit, nous avons tout d'abord la Jordanie, ensuite Norvège et Suède. Jordanie, vous avez la parole. شكراً جزيلاً سيدة الرئيسة. شكراً جميعاً وشكراً للأمانة على هذه الوثائق الهامة. Merci au secrétariat de l'organisation de la documentation. Donc, pour commencer, je voudrais signaler que lors de la dernière réunion, donc au sujet du cadre pour l'après 2020, on avait discuté des objectifs, mais nous souhaitions mieux comprendre comment ces indicateurs pouvaient être utilisés, donc les indicateurs principaux qui figurent dans le document. Certains nous paraissent un peu ambigus et difficiles pour les pays de les évaluer, de les utiliser. Donc, nous pensons
qu'il faut mettre au point des indicateurs qui permettent vraiment de procéder à des mesures afin que les États parties puissent les mettre en œuvre. Il y a aussi une certaine ambiguïté qui entraînerait une mauvaise compréhension des objectifs à mettre en œuvre après 2020. Ce sera donc difficile de réaliser les stratégies nationales. Il faut noter ici qu'il est important d'assurer une bonne mobilisation des ressources et la mise en place de programmes visant à renforcer les capacités et ainsi assurer la mise en œuvre. Autrement, il ne sera pas possible de mettre en œuvre le cadre dans les délais prévus. Merci de votre coopération. Je voudrais aussi signaler que les observations de la Jordanie ont été présentées dans les délais prévus. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Jordanie. La Norvège, ensuite la Suède et puis l'Argentine. La Norvège, tout d'abord. Merci, Madame la Présidente. Il faut assurer, mettre en place une structure solide pour le cadre pour l'après 2020, élaborer un bon cadre de suivi parallèlement aux négociations touchant le GBF est essentiel. Nous nous félicitons des discussions sur l'avant-projet et les travaux réalisés par le secrétariat. Toutefois, nous soulignons qu'il reste beaucoup de travail à faire afin que l'on puisse exercer un suivi de la mise en œuvre de ce cadre. Tout d'abord, le STAB doit mettre en place des groupes de travail pour fournir des conseils sur les indicateurs. Par conséquent, il faudrait mettre en place des groupes de contact lors de la réunion officielle afin que les parties puissent en débattre. Deuxièmement, nous nous félicitations de ce qui est proposé pour ce qui est de la mise à jour du cadre qui soit mis à la disposition de la troisième réunion du groupe de travail. Tous les éléments du GBF doivent être pris en compte lors de la dernière réunion du groupe de travail. Troisièmement, nous attendons d'autres travaux réalisés par le secrétariat après la troisième réunion du groupe de travail pour avoir un projet harmonisé avant la COP 15. Pour ce qui est du cadre de suivi proposé, nous acceptons la structure, particulièrement l'idée d'avoir une série limitée d'indicateurs phares. Cela pourra faciliter le rapportage de la part des parties parce que ce sera moins lourd pour les capacités nationales en reconnaissant que les niveaux sont différents selon les pays. Ces indicateurs principaux ne permettront pas de prendre en compte tous les éléments du GBF. Il n'est pas clair pour nous comment nous allons utiliser les indicateurs complémentaires. Et ils sont importants pour avoir un portrait complet. Il ne faut pas les négliger. Et pour terminer, les critères de sélection ne permettent pas de savoir si les indicateurs sont pertinents ou non. Il faut s'assurer que les indicateurs reflètent adéquatement les cibles. Nous nous félicitons de l'occasion d'avoir un échange d'idées lors de cette session informelle et nos discussions permettront d'éclairer la réunion officielle du SOPSTA. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, maintenant Suède, Argentine et Équateur. Tout d'abord la Suède. Merci, chers collègues, mesdames et messieurs.
La Suède est attachée à l'adoption de cadres ambitieux pour ce qui est du suivi et de la biodiversité fondée sur les messages de l'IPES et du GBO5, LBO2. Nous estimons que le projet de GBF est lacunaire. La Suède se félicite du document d'information 9 qui présente le niveau d'ambition requis pour atteindre la vision à l'horizon 2050, assurer l'intégrité des écosystèmes, contrer les risques d'extinction et assurer la variation génétique. La Suède estime qu'un glossaire pour le GBF serait un outil important de communication, permettrait de faciliter son élaboration. Par conséquent, le document d'information 11 sur les termes et concepts utilisés dans le GBF devrait faire l'objet d'un examen par des experts, ensuite servir aux négociations futures. La Suède se félicite des indicateurs phares qui sont proposés, qui devraient être utilisés par les parties pour faire rapport des progrès. Nous appuyons l'idée d'indicateurs complémentaires pour chaque objectif et cible qui pourraient être utilisés par les parties au besoin afin d'assurer la comparabilité des progrès réalisés au niveau national. La Suède estime que les 48 indicateurs proposés sont un point de départ. Il y aura des ajustements à l'avenir car ils ne sont pas tous adéquats. Nous estimons que le cadre d'indicateurs proposés comporte des lacunes. Par exemple, en ce qui concerne la diversité génétique, restauration d'écosystèmes, et plusieurs indicateurs doivent être peaufinés. Finalement, la Suède estime que les indicateurs qui reflètent des enjeux globaux comme droits humains, sensibilité au genre, équité intergénérationnelle, utilisation durable, coutumière, reconnaissance des droits des PACL, conformément à l'article 8J et 10C, et la participation pleine et efficace de ces PACL, des femmes, des filles et des jeunes ne sont pas suffisamment prises en compte. Les parties prenantes devraient participer à l'élaboration future de ces indicateurs. Merci, Madame la Présidente. Merci, Suède. Maintenant, Argentine, suivie de l'Équateur, de la France. Et je vous demande de téléverser vos documents sur la page web. L'Argentine a la parole. Merci. Madame la Présidente, je vais parler espagnol. Tout d'abord, nous souhaitons indiquer que s'agit d'une intervention préliminaire, informelle, et il ne s'agit pas d'une prise de position qui sera en vue de la réunion formelle. Tout d'abord, nous aurions trois observations. Tout d'abord, le cadre de suivi doit être articulé en fonction du libellé de la Convention, donc rapport sur la mise en œuvre de la Convention par les parties. Article 26 aussi, il faut tenir compte du financement, du renforcement des capacités, transfert de technologies afin d'assurer la mise en œuvre dans les pays en développement, article 20 de la Convention. Deuxièmement, le cadre de suivi doit être un instrument souple pour ne pas trop alourdir le fardeau des parties. Chers délégués, nous pensons que mettre en œuvre 48 indicateurs phares, c'est une proposition pratique afin de suivre rapidement les progrès à l'échelle mondiale, mais nous pensons que ce sera difficile. Nous pensons qu'il faudrait avoir restreint le nombre d'indicateurs et les aligner aux objectifs et cibles, avoir un équilibre entre état de la biodiversité et processus
institutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre du cadre mondial. Troisièmement, nous pensons qu'il faut avoir un débat réaliste au sujet de la base de référence. Celle qui est proposée dans la documentation n'est pas suffisante pour bien comprendre, reconnaître les responsabilités historiques à l'égard de la perte de la biodiversité, car elles ont un impact direct sur la mise en œuvre. De plus, c'est contraire à l'objectif de restauration. Il faut vraiment valoriser les zones qui doivent être restaurées et assurer aussi la complémentarité avec d'autres conventions comme celle des changements climatiques. Pour terminer, mettons l'accent sur le processus d'élaboration du cadre mondial pour l'après 2020 pour l'Argentine. Il faut reconnaître qu'il ne sera pas possible d'avoir tous les indicateurs. Donc, lors de la réunion officielle du SOPSTA, il faudrait se limiter d'élaborer des propositions pour ce qui est des indicateurs et restreindre le nombre, avoir un certain nombre d'indicateurs fondés sur la science, donc ceux les plus utiles. Merci, Madame la Présidente. Merci. Maintenant, l'Équateur. Muchas gracias, señora presidenta. Ecuador agradece la importante. Merci. Considérant you could go a little bit back and continue. There is a challenge with the translation. Thanks. Okay. Ecuador ha emprendido una importante hoja de ruta nacional para la discusión holística de los aspectos relacionados al marco para la biodiversidad post 2020. Considerando la complejidad multisectorial que presenta y el reto de la vinculación y apropiación de varios sectores, a pesar de las limitaciones de llevar a cabo. Les limites, il faudra poursuivre le débat alors que se poursuit la pandémie. Nous faisons ressortir l'importance de disposer d'informations scientifiques, techniques permettent l'examen des objectifs et des cibles, indicateurs et bases de référence proposées pour le cadre pour l'après 2020, donc pour qu'il soit bien clair, ambitieux, mais aussi réaliste, étant donné la nouvelle situation, la pandémie. Et à cet égard, nous estimons qu'il faut poursuivre le débat avant que les indicateurs soient établis. Il est indispensable d'avoir un cadre de suivi et l'examen d'un groupe d'experts pour faciliter la mise en œuvre du cadre pour l'après 2020. Il est donc essentiel d'accroître la communication, le financement, le renforcement des capacités pour les pays en développement, conformément aux principes de responsabilité commune mais différenciée, et ainsi l'on pourra faciliter le suivi au niveau national et assurer la mise en place des processus adéquats. Donc, l'Équateur continuera son processus de sensibilisation, analyse de la documentation qui est proposée, et cela permettra une plus grande cohérence au sein de la société. Nous espérons pouvoir très bientôt remettre
nos commentaires au secrétaire en prévision de la réunion formelle du SUPSTA. Merci beaucoup. Thank you. Ecuador. La France, suivie de l'Espagne et de la Suisse. La France, vous avez la parole. Présidente, la France est globalement satisfaite des recommandations proposées telles qu'elles sont formulées, et en particulier de la structure du cadre de suivi avec des indicateurs de base, des composantes de cibles et d'objectifs et des indicateurs complémentaires pour permettre aux parties d'utiliser différents niveaux de détail en fonction de leurs possibilités. Nous soutenons fermement l'idée d'un ensemble d'indicateurs en vue d'éventuels ajouts de cibles ou d'objectifs lors de l'OEWG3 qui permettrait de ne pas attendre la COP16 pour commencer à suivre leur mise en œuvre. La France souligne l'importance de définir un petit nombre d'indicateurs principaux communs aux parties permettant le suivi des éléments du cadre qui devront être adoptés lors de la COP15. Par exemple, concernant la cible 2, nous soutenons l'inclusion d'un indicateur principal relatif au pourcentage de couverture des aires protégées qui devrait comprendre les autres mesures efficaces de conservation par zone. De plus, il est important que la question de la protection de 30% des terres et de 30% des mers soit plus clairement reflétée. La France souligne l'intérêt du développement d'indicateurs et d'indices comme l'ESGAP, qui mesure l'écart entre l'état actuel des fonctions environnementales essentielles et de leur état soutenable. Nous sommes également d'avis que, comme tous les objectifs et les cibles devraient comporter au moins un indicateur, les composantes des cibles et des objectifs devraient être ajoutées au cadre de suivi et à la décision correspondante de la COP, afin d'organiser correctement les indicateurs et de faciliter le rapportage. Ainsi, ces composantes devraient être intégrées dans un tableau spécifique dans le cadre du suivi. La France est favorable à l'adoption de versions actualisées du cadre de suivi lors des prochaines COP, ce qui permettrait d'ajuster son contenu au fur et à mesure de la mise en œuvre du cadre et des progrès scientifiques, assurant ainsi sa viabilité et sa pertinence. Pour les objectifs et cibles qui ne disposent pas encore d'indicateurs adéquats, la France souhaite que le SUPSTA soit mandaté pour travailler à combler ces lacunes d'ici la COP16. De plus, il est crucial de prendre davantage en compte les approches des droits humains, la sensibilité au genre, la participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales et l'équité intergénérationnelle qui ne sont pas encore suffisamment reflétées dans le cadre de suivi et ses indicateurs. Enfin, la France recommande qu'une version actualisée de la stratégie mondiale pour la conservation des plantes soit pleinement alignée sur le cadre post-2020. Merci. Thank you, France. Then we have Spain, followed by Switzerland and Netherlands. Spain, you have the floor. Thank you very much, Marina. Muchas gracias, señora presidenta. España agradece la organización de estas sesiones virtuales informales en preparación de la próxima reunión de SUPSTA, que permitirá seguir avanzando con decisión y sin demora en la preparación del marco global sobre biodiversidad. Spain, sorry, Spain. Yes. Could you please raise your voice? It's very low for the translators. Please raise your voice. Thanks. Thank you, sorry. En la configuración del nuevo marco mundial posterior a 2020 es especialmente importante las conclusiones de la quinta perspectiva mundial de la biodiversidad, al que damos la bienvenida. Donc il faut qu'il y ait une transition. L'interprète n'entend plus personne qui parle malheureusement. Donc il faut travailler en fonction de ce qui sera approuvé par la COP. L'approbation d'un cadre de suivi à la COP15 devra tenir un renvoi aux progrès réalisés
du côté des partis et à l'échelle mondiale. Donc, nous nous félicitons de l'adoption d'indicateurs principaux et ainsi, et cela facilitera la prise de mesures. En particular, respecto a la propuesta concreta de 48 indicadores principales, incluidos... La proposition de 48 indicateurs dans le document, nous pensons que c'est un bon point de départ, mais il faut poursuivre les délibérations pour choisir un nombre restreint d'indicateurs phares. Ce serait plus réaliste et il faut aussi les compléter. Et tout cela tenant compte du fait que les objectifs et cibles pourront faire l'objet de changements lors des délibérations futures. Par exemple, l'Espagne est intéressée à un indicateur qui toucherait l'état des écosystèmes marins et côtiers. Et il serait utile de connaître les progrès à cet égard. Et il y a certaines lacunes pour ce qui est des indicateurs proposés. Et il faut mettre l'accent sur la communication et finalement, il est crucial que le cadre de suivi comprenne des indicateurs aux différents niveaux local, régional et mondial et il faut s'aligner sur les autres programmes et conventions et ils doivent être en cohérence avec le cadre mondial pour l'après 2020 pour faire face à la crise écologique auquel nous faisons face. Merci beaucoup. Thank you. Then we go to Switzerland, followed by Netherlands and Brazil. Switzerland, please. Thank you, Madam Chair and distinguished colleagues. For an effective implementation of the post-2020... Merci pour bien mettre en œuvre le cadre pour l'après 2020. Il faut des indicateurs simples. Donc, nous nous félicitations d'un cadre de suivi qui comporte une série limitée de d'indicateurs. Puisque le temps sera limité, il faut mettre l'accent sur de tels indicateurs. La Suisse peut accepter les indicateurs où il y a beaucoup d'expérience, par exemple l'objectif 8, mais il n'y a pas d'indicateur pertinent pour ce qui est d'autres domaines. Nous voulons faire ressortir ce qui suit pour ce qui est des indicateurs phares. Ils devraient être obligatoires. Ils devraient être fondés sur des indicateurs déjà utilisés au niveau des ODD, des AMMA. Ils doivent être quantitatifs, comparables. Il doit y avoir une communication efficace. Ils doivent être adoptés lors de la COP15 en même temps que les objectifs et cibles du cadre pour l'après 2020. Nous appuyons la cible 2, 30% pour 2030. Et il faut mesurer les aires protégées et les OECM en utilisant une méthodologie établie comme les catégories de l'UICN et il faut s'assurer que la qualité est prise en compte et il faut aussi refléter la qualité et pour assurer il faudrait utiliser un deuxième indicateur principal. Nous présenterons d'autres commentaires pour ce qui est des objectifs A et B, cibles 2, 3, 5, 9, 14 et 15 par écrit et commentaires supplémentaires sur les indicateurs phares lors de la réunion du SOPSTA. Pour ce qui est d'adoption du cadre, processus d'adoption, pour nous, l'accord de suivi fait partie du cadre mondial pour l'après 2020, c'est le mandat du groupe de travail composition non limitée, donc le SOPSTA
devrait adopter le projet de recommandation pour examen au niveau du groupe de travail, mais il est peu probable qu'on puisse s'attendre sur tous les détails du cadre de suivi. Nous pensons que ce devra être finalisé après la COP15. À notre avis, un groupe d'experts techniques peut contribuer à la mise en place d'un cadre de suivi solide tout en appuyant la mise en œuvre des indicateurs. Le groupe d'experts devrait avoir un mandat limité dans le temps et ses travaux devraient être présentés au SOPSTA avant la COP15. Se concentrer sur les indicateurs, les lacunes pour ce qui est des indicateurs. Nous présenterons d'autres commentaires par écrit. Merci, Suisse. Je vous rappelle, Pays-Bas et ensuite Brésil et... Merci, Madame la Présidente. Nous remercions le secrétariat pour l'organisation de cette réunion. Nous sommes favorables à un mécanisme solide de surveillance, de notification et de bilan, d'examen. Et nous ne voulons pas risquer une autre décennie d'objectifs ambitieux qui reste hors de portée. Nous sommes d'avis que toutes les composantes des objectifs et des cibles ont besoin d'indicateurs appropriés. Nous avons besoin d'une liste plus courte et réaliste d'indicateurs principaux qui couvrent les aspects les plus importants des buts, tout en couvrant la portée du cadre. Toutefois, nous sommes également préoccupés par le fait que les indicateurs de diversité génétique n'ont pas été suffisamment pris en compte. Chaque élément de l'objectif A, y compris la diversité génétique, devrait être explicitement mentionné. En ce qui concerne l'objectif et les cibles de partage, nous avons besoin de faire davantage pour ce qui est des régimes APA. Nous soulignons que l'augmentation du partage des avantages est possible grâce à des mesures efficaces et facilitera l'accès. Il faudrait que tout soit fait de façon claire. En outre, les avantages non monétaires partagés devraient être valorisés et présentés dans le cadre du suivi. Nous sommes attachés à la vision d'une vie en harmonie avec la nature d'ici 2050, comme nous avons perdu davantage de biodiversité au cours de la période 2011-2020. Nous devons faire plus au-delà des objectifs d'Aichi. On a besoin d'un engagement politique accru également. Puisque c'est la première fois que nous prenons la parole, nous souhaitons conclure par un bref message des représentants de la jeunesse de notre délégation. Il sera prononcé par moi. Donc voilà, les jeunes ne sont peut-être pas assez âgés pour voter ou prendre des décisions, mais nous sommes assez âgés pour être témoins et subir les effets futurs de la crise. Vous êtes en train de décider de cet avenir, laissez-moi contribuer. Je fais partie des représentants de la jeunesse néerlandaise et nous sommes reconnaissants d'avoir un siège ici à la SOPSTA. Cependant, il nous semble que nous sommes pour autant que nous sachions les seuls jeunes délégués membres d'une délégation de parti à la CBD. Les jeunes générations sont cruciales car nous pouvons servir de miroir aux décideurs politiques en apportant de nouvelles idées. Nous aimerions donc demander aux partis d'inclure des représentants des jeunes dans leur délégation. Permettez aux jeunes de vous inspirer, de vous inciter, de vous surprendre. Merci, Madame la Présidente. Merci. Le Brésil, suivi du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Brésil, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je vais faire des commentaires préliminaires au nom de mon pays et nous ferons des commentaires ultérieurement lors de la réunion formelle. Nous participons aux négociations dans le contexte du cadre pour valoriser la biodiversité et les services.
l'équilibre s'agissant des trois dimensions du développement durable, l'équilibre s'agissant des différents piliers de la Convention, l'équilibre pour ce qui est des responsabilités différenciées et s'agissant de ce que nous voyons dans le cadre, nous voyons qu'il est déséquilibré, justement. Et il y a seulement une cible pour les APA et pour les mobilisations de ressources. Il faut améliorer les choses. Sans une structure équilibrée dans le cadre avec des objectifs, des cibles réparties, il est difficile d'engager la discussion sur les indicateurs. En fait, les bonnes pratiques scientifiques nous déconseillent de définir des indicateurs avant de parvenir à un accord sur des objectifs tangibles. L'idée d'équilibre devrait nous guider dans le choix de la base de référence des indicateurs. Une base de référence juste, équitable, devrait être adoptée si on veut vraiment relever les défis de la biodiversité. Mettre l'accent sur les dernières années ne permettra pas de au système. Pour les objectifs, par zone, le Brésil a proposé l'utilisation de la végétation naturelle potentielle de chaque pays. Cette méthode a été utilisée au Brésil pour des projets de restauration. Pour ce qui est du cadre de suivi, nous devrions éviter de faire peser une charge supplémentaire sur les pays en développement. Il est important de préciser qu'un cadre de suivi et de surveillance couvrirait tous les objectifs en matière de renforcement de capacité, transfert de technologies, ressources financières. Les défis de mise en œuvre des objectifs d'IG devraient être gardés à l'esprit dans la rédaction du cadre de ces indicateurs et de l'outil de suivi. Pour éviter de répéter IG, nous devons aborder la question des moyens de mise en œuvre. Les ressources manquent cruellement. Le fardeau économique social de la pandémie ajoute à ce scénario décourageant. Nous devons mieux reconstruire et reconstruire en mieux, mais n'oublions pas les promesses de l'agenda 2030. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Brésil, le Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande. Le Japon. Étant donné la COVID-19, je profite de l'occasion pour nous prononcer sur le cadre en utilisant au maximum, il faut utiliser au maximum les différentes technologies. Nous aimerions expliquer brièvement notre vue d'ensemble. Nous enverrons nos points de vue détaillés au secrétariat puisque le temps nous manque aujourd'hui. Et ce sera disponible en ligne. Dans le cadre mondial post-2020, le Japon reconnaît la nécessité d'un mécanisme où la mise en œuvre ainsi que le contenu de ces cibles, objectifs sont contrôlés de manière appropriée. Et lorsque la mise en œuvre n'est pas suffisante, des efforts supplémentaires sont encouragés. Nous accueillons, saluons le document CBD SOPSTA 24.3, mais nous reconnaissons qu'il reste encore quelques questions à discuter. Le Japon est d'avis que les questions de biodiversité peuvent être divisées en deux. Celles qui devraient être traitées en ajoutant des efforts mondiaux et l'autre qui traite des questions locales qui devraient être traitées de façon régionale. Nous pensons que les indicateurs et leurs méthodes de suivi devraient être différents selon les caractéristiques des objectifs et des cibles à fixer. Nous pensons que l'utilisation d'indicateurs globaux, mondiaux, contribuera à un suivi objectif des efforts et permettra également de comparer plus facilement les progrès entre les parties. Toutefois, nous pensons que des indicateurs principaux devraient être établis pour attirer l'attention politique sur des questions de biodiversité. Par conséquent,
Nous sommes d'avis que les indicateurs principaux devraient être appliqués qu'aux objectifs qui nécessitent des efforts au niveau mondial et un renversement des ambitions lorsque les progrès ne sont pas suffisants pour atteindre ces objectifs. Deuxièmement, nous pensons que les indicateurs de composantes devraient jouer un rôle pour suivre le projet des cibles qui n'ont pas d'indicateurs globaux, selon la définition. Et en d'autres termes, les indicateurs des composantes devraient être définis afin d'éviter de passer à côté toute progression du cadre. Le nombre d'indicateurs devrait être réduit au minimum pour suivre les progrès. Des enseignements tirés du GBO 5 devraient être faits et nous proposons qu'ils soient appliqués au NBSAP et utilisés dans le rapport. Enfin, dans le rapport national de chaque partie, dis-je, en ce qui concerne le groupe d'experts techniques proposé, nous pensons qu'il est possible d'utiliser les cadres existants. Nous devons examiner attentivement le nombre de réunions en personne nécessaires pendant la période d'intercession, en tenant compte de l'utilisation des réunions virtuelles. Nous soumettrons nos commentaires ultérieurement au secrétariat. Je vous remercie. Merci au Japon, la Nouvelle-Zélande, suivie de la Belgique et la Finlande. La Nouvelle-Zélande, merci Madame la Présidente. Nous saluons tout le travail qui a été fait dans le cadre de l'élaboration du cadre mondial. Il est important de mettre l'accent sur les éléments qui devraient être inclus dans celui-ci. S'agissant des facteurs directs et indirects de perte de biodiversité, nous croyons que cela est très important, plus important que la structure. Nous sommes d'accord avec que nous devons avoir des indicateurs principaux, mais nous croyons qu'il y en a trop. On devrait en avoir moins. Cela éviterait et simplifierait en fait la communication. S'agissant du groupe d'experts techniques, il faudrait parler de sa portée et du calendrier du mandat et nous avons proposé des commentaires par écrit sur des indicateurs spécifiques et nous sommes heureux de les partager. Nous aurons davantage de détails à partager au cours des discussions formelles. Je vais maintenant traiter donc du premier but A qui traite de protection. Nous sommes d'accord avec ce qu'a dit le secrétariat dans la note 24.3A2 qui prévoit qu'au minimum, aucune perte nette d'écosystèmes naturels d'ici 2030 est nécessaire, tout en gardant à l'esprit qu'il y a des risques. L'interprète signale qu'il y a un problème de connexion. Nous sommes d'accord avec l'objectif D. Pour ce qui est de la cible 1, on s'attend à ce que les indicateurs primaires reflètent l'indicateur mondial primaire de perte de diversité. Il faut faire des liens. Pour ce qui est de la cible 2, il faut intégrer une composante qualitative qui permettra la protection de la biodiversité. Pour ce qui est de la cible 17, nous croyons que la référence au pourcentage du PIB reflète le manque d'ambition ainsi que le manque d'ambition de la cible comme telle comparativement à la cible 3 d'Aichi. Alors, je crois que cela est il faut faire davantage pour atteindre ces cibles. Merci. L'interprète signale qu'il y avait un problème de connexion. Je donne parole à la Belgique, suivie de la Finlande.
Merci, Madame la Présidente. La Belgique remercie le secrétariat pour le document qui a été circulé, qui présente... ...for a robust stocktake and review mechanism. We support relevant indicators to be aligned with those of the SDGs and relevant MEAs. We support having a smaller set of headline indicators common to all, which capture the overall scope and... ...avoir des indicateurs qui tiennent compte des objectifs et cibles, et qu'on puisse... Et les indicateurs doivent être adoptés en même temps que les autres à la COP15, être utilisés pour la communication, permettre de suivre les trois dimensions de la biodiversité, les trois objectifs de la Convention, et suivre les facteurs directs et indirects de la biodiversité. Nous appuyons une autre liste d'indicateurs pour les différents objectifs cibles, aussi indicateurs pour analyse thématique approfondie. Pour ce qui est des indicateurs principaux proposés dans l'annexe A, la Belgique estime qu'il faut les continuer d'y travailler, ne sont pas tout à fait appropriés. Et pour ce qui est des objectifs ici pour lesquels il n'y a pas d'indicateur adéquat, nous demandons que les lacunes soient comblées le plus rapidement possible, et il faut des indicateurs pour ce qui est de certaines questions de biodiversité. Par exemple, la diversité génétique, la biodiversité urbaine, les zoonoses, les pollinisateurs, la restauration, changement climatique en tant que pression sur la biodiversité et indicateurs pour les zones où il y a des mesures de conservation, de restauration, d'utilisation durable. Il faut inclure les écosystèmes naturels et gérés. Les indicateurs phares pour ce qui est de la cible 9 devraient inclure tous les écosystèmes gérés, non pas seulement les écosystèmes agricoles. Et il faut beaucoup plus de solutions basées sur la nature que celles qui sont proposées. Et finalement, la Belgique estime qu'il ne faut pas utiliser de pourcentage dans les indicateurs. Ces commentaires sont préliminaires et nous nous réservons le droit de les modifier. Merci, Madame la Présidente. Merci, Belgique. Donc, maintenant, la Finlande, ensuite le Costa Rica et le Géorgie. Finlande. Nous remercions le secrétariat d'avoir organisé cette réunion informelle. Nous gardons dans nos pensées tous ceux qui ont souffert de la pandémie. Le niveau d'ambition pour les objectifs cibles du cadre pour l'après 2020 doivent dépasser les objectifs d'Aichi et les objectifs pour les changements climatiques, restauration, la biodiversité marine et côtière, les peuples autochtones, les communautés locales. Donc, ces indicateurs doivent être renforcés. Il faut donc inclure des indicateurs obligatoires, mécanismes d'examen. Les indicateurs proposés doivent être peaufinés et nous prions le partenariat des indicateurs. Nous demandons qu'ils soient prise en compte dans le processus pour que tous les indicateurs soient robustes du point de vue scientifique. Les indicateurs phares devraient être inclus dans une annexe à la décision de la COP parce qu'il y a quand même certains défis qui se présentent parce que des objectifs et cibles ne sont pas pris en compte par ces indicateurs. Les indicateurs reliés au changement climatique et la doivent mérite attention parce qu'ils sont nécessaires pour réussir la mise en œuvre du cadre pour l'après 2020. Finalement, quelques points plus spécifiques. Les 48 indicateurs figurant dans l'annexe 1 du document 3 sont un point de départ utile.
La cible 14 est importante, mais les indicateurs sur la perte possible d'habitat semblent ne pas se rapporter à cette cible. Donc, l'indicateur devrait se concentrer plutôt sur l'économie circulaire. Objectif 1 et 2, l'indicateur devrait se rapporter à l'efficacité de la gestion. Les OECM doivent aussi être pris en compte. Pour ce qui est de la cible 9, foresterie, agriculture doivent être pris en compte, en plus de l'agriculture. Ensuite, cible 19, il faut également qu'il y ait un indicateur à cet égard. Indicateurs relevant d'autres conventions dans le domaine de l'environnement doivent être aussi être utilisés et il faut établir périodes de référence communes pour mesurer les progrès. Des améliorations sont nécessaires pour assurer la diversité génétique. Il faut des indicateurs concernant les PACL et sont insuffisants. La Finlande se félicite du rapport à cet égard et nous nous alignons sur l'intervention faite par le Portugal et d'autres. Nos amendements recommandations seront envoyés au secrétariat. Merci. Merci Costa Rica, suivi de la Géorgie et du Pérou. Costa Rica, vous nous entendez? Oui. Maintenant? Oui. Merci, Madame la Présidente. Le point 3 revêt particulièrement d'importance pour assurer un cadre qui permettra d'assurer la réalisation des objectifs et cibles. Le cadre de suivi est une amélioration. Nous remercions le secrétariat à cet égard. Le Costa Rica aurait des observations générales, ensuite plus précises sur le cible 2. Nous appuyons la proposition d'avoir trois groupes d'indicateurs, donc des indicateurs phares, plus utiles pour mesurer les progrès, mais nous recommandons de maintenir seulement un ou deux indicateurs principaux par cible. Il faut améliorer les indicateurs proposés afin qu'ils soient cohérents et clairs. Pour ce qui est de la cible 2, nous nous félicitons des efforts de plus de 55 pays qui se sont joints à la coalition de haut niveau co-présidée par le Costa Rica, la France, Royaume-Uni. Le but est de défendre la protection d'au moins 30% des océans à l'horizon 2030, un réseau d'air conservé fondé sur la science. Pour ce qui est de l'indicateur 32, nous sommes favorables à un indicateur d'une couverture plus large. Il faudrait inclure les aires protégées et d'autres mesures de conservation fondée sur les zones, afin de pouvoir communiquer aussi les progrès réalisés au public. Pour ce qui est de l'indicateur 202, le Costa Rica estime qu'il n'est pas approprié pour la cible 2, parce que même si l'indice sera un indicateur utile pour ce qui est du succès des aires protégées, il y aura des limites pour ce qui est des zones marines et côtières. D'autre part, il faut assurer que la qualité des aires protégées est également prise en compte. Il faut donc inclure comme indicateur phare un indicateur de nature qualitative, par exemple efficacité de gestion, surveillance de la biodiversité, bonne gouvernance, conservation efficace. Il faut aussi inclure des indicateurs pour la cible 2, le rôle des PACL en tant que partenaire. Et pour conclure, nous souhaitons exprimer
notre appui au groupe d'experts sur les indicateurs. Merci, Georgie. Ensuite, Pérou. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Tout d'abord, nous remercions le secrétariat de la préparation de la documentation de la réunion. Pour ce qui est des indicateurs et les critères de sélection, il faut assurer la disponibilité de renseignements de référence, n'est pas toujours disponible au niveau national. Notons qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur cet enjeu. Pour nous, la base de référence pourrait être différente selon les cibles et nous souhaitons assurer aussi un bon rapport coût-efficacité à l'égard des indicateurs. Parfois, il faut des ressources importantes et les indicateurs utilisés déjà par d'autres accords sont aussi une priorité pour assurer la synergie. Maintenant, disponibilité des données. Il faut assurer une désagrégation des données à l'échelle mondiale, mais dans certains cas, les données nationales donnent des résultats plus exacts. Nous voulons souligner l'importance d'élaborer des méthodologies appropriées. Étant donné que la partie doit faire rapport sur la mise en œuvre de façon cohérente, il faut assurer la comparabilité et nous notons que les indicateurs ne reflètent pas toujours tous les éléments des objectifs et des cibles. Par exemple, la cible 2, mesure de conservation fondée sur les zones, eh bien, il faut envisager tous les instruments qui existent à cet égard et il n'y a pas d'indicateur pour certains enjeux. Nous préférons utiliser les mêmes termes pour l'objectif et l'indicateur ou la cible et l'indicateur. Pour ce qui est de la cible 4, nous pensons qu'il faut se baser sur l'expérience dans l'élaboration d'indicateurs pertinents et tenir compte des suggestions des parties. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, de ralentir un peu parce que cela rend difficile le travail des interprètes. Il serait utile aussi pour eux d'avoir le texte sous les yeux. Pérou maintenant, ensuite Malawi. Pérou, vous êtes là? Vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nos salutations aux délégations présentes et exprimons notre solidarité. Le Pérou reconnaît la relation intrinsèque entre la diversité biologique, la société et le développement. Par conséquent, ce nouveau cadre pourrait restaurer l'équilibre entre le bien-être humain en assurant une conservation inclusive qui prenne en compte les solutions fondées sur la nature pour la promotion du développement durable et ainsi assurer notre survie et celle des générations futures dans la coexistence en harmonie avec la nature. Nous soulignons l'urgence de modifier la façon de gérer la biodiversité, aussi bien sauvage que cultivée, en mettant l'accent sur la conservation des services écosystémiques
pour garantir la santé, sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, ce qui est nécessaire au bien-être humain. Et pour cela, il faut assurer la participation active des PACL en respectant leur cosmogonie, la gestion de la biodiversité, l'utilisation des technologies traditionnelles. Nous faisons ressortir l'importance d'une transition vers des modèles de production plus durables en tenant compte de systèmes alimentaires qui répondent aux besoins des personnes tout en mettant l'accent sur la conservation de la biodiversité agricole, de l'agriculture familiale et d'une agriculture libre de toute déforestation. Nous sommes convaincus qu'assurer la conservation de 30% des aires terrestres et marines est absolument essentiel pour assurer la conservation de la biodiversité, non seulement pour ce qui est des aires naturelles protégées, mais aussi par d'autres modalités de conservation efficaces fondées sur les aires. Nous soulignons aussi l'importance de gérer de façon durable nos océans, limiter la pollution, y compris celle par les déchets plastiques. Il faut une réponse verte à la crise actuelle. Il faut mettre l'accent sur le principe d'une santé et mettre la biodiversité, le climat, l'environnement au centre de nos stratégies de relance économique, en mettant l'accent sur les écosystèmes et recherchant une économie exempte de carbone. Nous considérons que les objectifs stratégiques à l'horizon 2030 doivent être en cohérence avec les trois objectifs de la CDB, la conservation, l'utilisation durable, la répartition juste et équitable des avantages, et nous souhaitons faire ressortir l'urgence de relever l'importance d'assurer la synergie entre toutes les conventions. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Now we have... Merci. Il nous reste 10 minutes. Je vais regarder mon horloge, mais d'abord, je vais donner la parole au Malawi, à l'Ouganda et à la République dominicaine. Le Malawi, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Le Malawi souhaite soutenir la déclaration faite par l'Afrique du Sud au nom de l'Afrique. Nous notons qu'à la lumière des aspects spécifiques des indicateurs, et s'agissant de leur état, il fait en sorte que c'est difficile d'élaborer des indicateurs intelligents. Nous devons revoir la CB18 en vue de sa mise en œuvre. Nous l'avons vu également vu dans la cible 8 qui manque un peu de portée. Et si on met l'accent sur les plus vulnérables, l'indicateur devrait mettre l'accent sur les avantages proportionnels. Les indicateurs devraient être précis, nous permettre de mesurer leur mise en œuvre. Une fois que nous serons entendus sur les cibles, nous pourrons établir les indicateurs. On doit effectivement continuer à examiner le cadre, notant qu'on devra examiner les objectifs et les buts et une évaluation des indicateurs à la lumière de ceux-ci. Nous appuyons la nécessité de permettre la collecte de données, mettre l'accent sur la capacité de désagrément des données et mettre l'accent sur le recours aux technologies lorsque nécessaire afin de faire rapport sur ces indicateurs. Les
nous appuyons la création d'un groupe d'experts. Cela doit permettre l'évaluation des systèmes actuels pour renforcer les systèmes de suivi nationaux. Donc, Madame la Présidente, nous avons soumis certaines de nos recommandations par écrit, mais nous souhaitions mettre l'accent sur le fait qu'il est important d'avoir de préciser les cibles assorties de calendriers afin de pouvoir élaborer des indicateurs qui nous permettent de mesurer ces cibles et objectifs. Merci au Malawi. Je donne la parole à l'Ouganda, suivi par la République dominicaine l'Ouganda. Merci, Madame la Présidente. L'Ouganda s'aligne à l'Afrique du Sud au nom de l'Afrique et appuie la déclaration faite par l'Afrique du Sud. L'Ouganda s'attend à ce que les indicateurs soient intelligents, qu'ils facilitent l'implication, la mise en œuvre par les parties. Nous soulignons l'importance de veiller à ce qu'il y ait des ressources adéquates pour appuyer la mise en œuvre, la surveillance, le suivi et le rapport. Cela est nécessaire pour atteindre les changements, réaliser les changements souhaités. Nous mettons l'accent sur la nécessité de contribuer des contributions nationales aux cibles et indicateurs. Nous proposons que les indicateurs soient élaborés pour les cibles en matière d'APA. Nous proposons que les éléments de biosécurité et les indicateurs associés soient considérés pleinement. S'agissant maintenant des buts ou objectifs, nous notons que la reformulation des objectifs devait fournir une certaine clarté, mais ça menait à la perte de certains éléments clés. Notamment, j'aimerais vous parler de l'objectif AIC. Toutefois, bien que l'objectif B est un bon ajout, il devrait y avoir des besoins et des moyens de mise en œuvre réservés et précis. Nous apprécions ce qui a été dit au sujet de A et B, et donc la fusion de ces deux en un objectif et un jalon. Ça inclut les espèces et les écosystèmes. Toutefois, nous proposons que cela soit séparé en deux afin qu'on ait un objectif pour les espèces et un autre pour l'écosystème. De plus, nous proposons que nous questionnons l'adoption de la référence faite aux solutions basées sur la nature, tant et autant qu'on aura convenu de ces composantes. Nous recommandons plutôt une référence à l'approche écosystémique qui est déjà établie et reconnue. Nous soulignons également que le cadre post-2020 devrait veiller un équilibre entre les cibles, les objectifs et les objectifs de la CBD et devrait se fonder sur les évaluations déjà faites. Nous sommes d'avis que nous devons soutenir les mécanismes de mise en œuvre également. Je vous remercie de votre attention. L'interprète signale qu'il y a un bruit de fond. Je donne maintenant la parole à la République dominicaine, suivie de l'Autriche. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bon après-midi. Donc, je parle au nom de la République dominicaine. J'aimerais vous parler de mon expérience lors de la
la rédaction du rapport et de la mise en œuvre du NVSAB 2009. Tout cela nous a démontré qu'on a besoin d'indicateurs qui sont désagrégés par genre, âge, sexe et groupe de population. Ce faisant, nos cibles nationales et internes pourront refléter l'impact sur ces sphères. Il serait pertinent d'avoir ce genre d'informations disponibles lorsque nous mesurons les contributions et les besoins d'une façon désagrégée. Cela nous permettrait de créer davantage de politiques inclusives. Malgré le fait que le cadre post-2020 présente un système plus inclusif d'indicateurs comparativement aux précédents, nous devons redresser le fait qu'il y a une sous-représentation d'indicateurs pour mesurer les besoins des jeunes et l'impact. Donc, et cela s'est reflété dans la cible 20, notamment dans les indicateurs complémentaires qui se réfèrent au pourcentage de la population qui croit en une forme d'inclusive de prise de décision. Nous croyons qu'il serait important d'avoir des indicateurs désagrégés par âge, sexe et groupe de population, notamment pour la cible 19 qui réfère à la qualité de l'information et aux connexions décisionnelles soient rendues disponibles. L'objectif B qui parle de la contribution de la nature aux gens et l'indicateur B01 pour faire en sorte que le processus de mise en œuvre soit pris en compte et veille à ce que l'impact soit pris en compte, l'impact des mesures, l'impact sur les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et communautés locales. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. La dernière intervention sera faite par l'Autriche. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'espère que vous pouvez m'entendre. J'aimerais dire d'entrée de jeu que nous saluons tout le travail qui a été fait pour faire avancer nos discussions sur ce point et nous considérons que c'est un pas vers l'avant et que cela contribuera à la mise en œuvre du cadre de suivi, je dirais, que nous appuyons ce qui a été dit par l'Union européenne. En général, nous croyons que le cadre de suivi pour le cadre post-2020 est un bon point de départ. Pour nos discussions, nous appuyons un cadre de suivi robuste et fort pour suivre la mise en œuvre du cadre post-2020. Ce cadre de suivi devrait être conçu pour rehausser l'attention politique, communiquer le cadre et le faire connaître ses objectifs. Nous sommes d'avis que la structure proposée de suivi atteindra cet objectif. Nous appuyons l'adoption d'un nombre limité d'indicateurs principaux à la COP15. Cela devrait être utilisé par toutes les parties et constitue une composante importante des rapports nationaux futurs. La liste devrait inclure des indicateurs très prochainement, donc ça devrait être communiqué. Nous croyons que les indicateurs devraient couvrir tous les aspects du cadre. La proposition inclut plus de 40 indicateurs, c'est beaucoup. Comme on l'a dit, nous sommes d'avis que c'est beaucoup trop. Nous trouvons des écarts dans la liste des indicateurs proposés, notamment en matière de diversité génétique, biodiversité urbaine, changement climatique, biodiversité, pollinisateurs et la restauration des écosystèmes. Nous appuyons généralement la mise en œuvre d'un groupe d'experts ad hoc pour opérationnaliser le cadre de suivi. Avec un mandat tel que proposé. Ceci dit, nous croyons qu'on doit discuter davantage. Nous trouvons qu'il est également
important que ces indicateurs principaux contribuent à établir une certaine synergie avec les MES et ainsi il faudrait qu'ils soient conformes et alignés. L'établissement de synergie est d'une importance cruciale pour réduire le fardeau pour les parties. Il y a un lien important entre le cadre de suivi et le travail du SBI, notamment s'agissant du point 5, 9 et 11. Il est donc important d'inclure, une fois que les résultats respectifs souhaités de l'SBI soient mis à jour en conséquence. Finalement, nous reconnaissons le rôle important de la stratégie de conservation des plantes mondiales dans la mobilisation de l'attention à ce chapitre. Nous remercions leur secrétariat pour le document d'information qui a été élaboré. Nous souhaitons souligner qu'une stratégie en cette matière devrait être alignée avec le cadre pour la biodiversité mondiale pour l'après 2020. Merci. Merci à tous. Merci à tous les distingués délégués qui ont pris la parole. Merci pour vos interventions. Il est près de 10 heures maintenant. Et maintenant, j'aimerais donc conclure. Nous allons reprendre demain. J'ai pris note des parties qui sont encore dans la file d'attente. Nous poursuivrons ces interventions demain. Je vais vous lire la liste que nous avons ici. Il y reste 11 pays. La Pologne, l'Australie, la Chine, la Thaïlande, le Chili, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la Turquie, Cuba, Madagascar et Palau. Le Palau a des problèmes techniques, mais a également envoyé sa communication écrite. Alors, ce sera fait demain. Nous allons poursuivre et ensuite, on pourra poursuivre avec les ONG et les autres. Alors, un grand merci. La liste se poursuit demain. Et je vais donner la parole aux intervenants que je viens de lire dans l'ordre. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit et merci aux interprètes. J'ai quelques points. Pour ce qui est des déclarations, veuillez les envoyer au secrétariat. Notez que nous avons des services d'interprétation. Alors, ceux qui parlent russe ou espagnol, veuillez donc parler votre langue et parler lentement. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, à demain. La séance est levée.